neglect one issue, which is based on the pyramid of Maslow, who speaks about human rights, beginning with food and shelter, and then reaching moral values, dignity. And political expressions are part of this dignity. The right to for a lot of countries to express themselves, this comes at the top of the pyramid. We have talked a lot about this. For example, in the Security Council, why can't all countries have the right to participate in decision making? All countries of the world must be able to participate and have a role to play in the Security Council, because this obliges these countries to participate in solving problems and disputes. We have talked a lot about these issues of reform of the Security Council. Thank you, Mrs. Asma, for your appreciated intervention. And now, we would like to listen to Professor Vite from the University of Geneva, and he is the Vice President of the International Institute of Humanitarian Law. He will be talking about the implementation of humanitarian law to serve a humanitarian dialogue. Sir, you have the floor. President, Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished participants, chers amis de l'Université de Genève. Je ne suis pas professeur à l'Université de Genève. Mon ami Marco Sassoli l'est, oui. Mais moi, j'enseigne à l'Université de Nice et à Webster University in Geneva. Okay. Now, allow me to first express my gratitude to the initiators of this conference, and especially to Dr. Ali Awad. I would like now to focus on the importance of religions on the origin and application of international humanitarian law in four main points, and you see them on the screen. First, the historical sources of rules regulating hostilities and providing for human treatment, actually the protection of life and dignity of human beings, are to be found in religions in all civilizations. Each civilization has formed islands of humanity inside which certain rules limit violence, imposing restraints on the use of force and obligation of solidarity towards victims. The rules can be briefly described as follows: a taboo, a strict prohibition by which it's forbidden to attack women and children, destroy sacred places, kill priests or people in religious orders, as well as women, children, and elderly people, and humanitarian workers. The golden rule, which can be found in most civilizations and which can be resumed as do not do unto others what you would like them to do unto you. And these rules were set to ensure the survival of the group and forbid behaviors which would have permanently endangered the groups. These limits to violence and the notion of responsibility for others were, in the most part, only valid inside of the group. Only on rare occasions were bridges allowed to be built between those islands of humanity, sometimes through individual acts of generosity. For example, Saint Francis of Assisi tried to open a dialogue between Christians and Muslims in 1219. And also, we could mention Francisco de Vitoria and Bartolomeu de las Casas, who were both advocates for human dignity of Native Americans. And now I would like to underline something very important. The principles of international humanitarian law should be applied to everyone,
and not be restricted to specific groups. This has been proved to, true in the past. It's essential to make sure that fundamental principles are not exclusive, are inclusive and extended to every human being, regardless of his or her beliefs. Permettez-moi de répéter en français. Il est essentiel d'avoir une interprétation universelle, inclusive de ces règles, positives ou religieuses, de limitation de la violence et de la solidarité, de ne pas limiter leur application aux membres d'une communauté, mais d'en faire bénéficier tous les êtres humains, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi. Second, religions yesterday and still today are, in many parts of the world, the inspiration, the reference for assisting and protecting war victims. We cannot separate religion from the implementation of international humanitarian law. In 1999, the ICRC, the International Committee of the Red Cross, made a survey for the 50th anniversary of the Geneva Conventions on the reasons which motivate civilians and military to respect international humanitarian law. One of the most astonishing results for the ICRC, not possibly for most of us, was that the reasons generally quoted were religious convictions. Et en effet, au moment où certains recherchent de nouveaux mécanismes de mise en œuvre du droit humanitaire, il n'est pas inutile de rappeler que les convictions religieuses sont un puissant facteur de respect du droit et pas simplement dans certaines régions. Third, in the case of loopholes or failure of positive law, including rejection by states or non-state actors, religions are the safety net for upholding essential considerations of humanity, included in international humanitarian law, such as protecting civilians, as well as Common Article 1 and Common Article 3 of the 1949 Geneva Conventions. No. Human rights law, such as the prohibition of torture, already mentioned by my predecessor. Refugee law, asking for human treatment for asylum seekers. We need to anchor once again essential humanitarian rule and principles in the conscience of its spiritual current without losing its universality. And spiritual leaders could help to promote two essential provisions of the 1949 Geneva Convention. Article 1, reminding all states, big and small, of their individual and collective obligations to respect and ensure respect for the conventions in all circumstances. Et je pense dans un cas comme la Syrie, il est évident que les membres du Conseil de sécurité, mais l'ensemble de la communauté internationale, a le devoir de faire respecter ce droit humanitaire. And Common Article 3 is a summary of the Geneva Conventions. And as the International Court of Justice said, elementary considerations of humanity for the protection of human life and dignity. Et ces deux articles communs aux quatre conventions de 49 sont les deux piliers du droit humanitaire contemporain, du droit positif contemporain. Ils méritent d'être soutenus par tous les dirigeants de toutes les religions pour assurer un minimum d'humanité dans les conflits de notre temps. Fourth, in many cases, away from the spotlights of international public opinion, religions are actors in reconciliation and reconstruction. And an example you mentioned is, of course, the Truth and Reconciliation Commission in South Africa, but also in many other places, Latin America and so on. And most of those commissions actually were the work of spiritual leaders who had the trust and the respect of all parties to the conflict. And we must go beyond criminal justice. We must go and actually reach out to restorative justice. Et en effet, la poursuite pénale, je sais qu'il y a des spécialistes dans cette salle, la poursuite pénale doit être complétée par des approches dont on peut retrouver l'origine dans de nombreuses traditions religieuses, y compris musulmanes, chrétiennes et africaines, de justice restauratrice, de justice reconstructrice pour faciliter la réconciliation et la reconstruction de communautés déchirées par des conflits. And now, building bridges among civilizations.
Nous devons en effet, et je crois que c'est l'objet de nos discussions de ces deux jours, construire des ponts entre cultures pour la survie des communautés, mais je crois aussi pour la survie de l'humanité entière. And indeed, we had in 2000 a Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders. We had in 2001 the proclamation of by the UN of the Year of Dialogue Among Civilizations. Don't have to tell you what happened next. And actually, what I want to say is what we need is to look now for a new start for this dialogue. And actually, as you see here, next year we shall have a World Humanitarian Summit. And the day before this World Humanitarian Summit, we shall have a Global Religious Forum. A forum mondial des religions qui se réunira à Istanbul le 22 mai. Et j'espère que ce forum mondial sera l'occasion de réaffirmer ces principes humanitaires fondamentaux, protégeant la vie et la dignité des êtres humains et de les réancrer dans toutes les traditions religieuses et pas simplement dans le droit positif. So, in conclusion, yes, you see, this is it. And I just want to mention in passing that on the 27th of May, here at the UN, with the participation of Muslim, Christian, Jews, Hindus, and Buddhists, we had a symposium on religions together for humanitarian action. Those of you who are interested, you could download the full report. I put here this website. But again, also, if you give me your email, I could send you this, and could also send you my text in English, and I have also, j'ai aussi un texte en français qui est un peu plus long d'ailleurs, with some footnotes. But what clearly we need now is to advocate for and promote protection according to universal fundamental principles. Because here I want to quote Martin Luther King, who said, either we live together as brothers, or we perish as fools. And allow me to quote, to conclude with a French sentence. Osons affirmer que nous sommes croyants. Osons affirmer notre foi en un Dieu créateur qui fait de nous des frères et des sœurs et qui nous oblige à respecter notre vie et notre dignité. Monsieur le Président, merci beaucoup. Shukran. Thank you, Professor. And I would like to give him the prize of staying short. I would like to thank him for explaining that religion is one of the concepts that actually talk about love, tolerance, and staying away from crime. War was never asked by military generals, but by political figures. War is easier for politicians than military figures, because military figures know all the losses that are due to wars. This has become known. And as he also said, in wars and reconciliations, religious actors are usually the ones who suggest solutions. In Lebanon, there was no war that ended in a way that was not political. This is why we make sure we do realize that wars are political and not religious. But religion is usually used to incite wars. I would like to thank you again, Professor, for your
valuable intervention. And in the end, we would like to listen to Mr. François Roux, head of the Defense Office of the Special Tribunal for Lebanon. We know him very well, and we have met him many times. He is well known by the Lebanese people. Mr. François Roux, you have the floor. Monsieur le Président, avec votre permission, je m'exprimerai en français. Bien sûr. Merci à mon prédécesseur pour cette belle invitation. J'ai l'habitude de citer pour ma part Gandhi, qui, vous savez qu'il y a une très belle exposition de Gandhi en ce moment à Genève au musée de la Croix-Rouge, et je vous la recommande. Et Gandhi disait toujours: la paix, c'est le fruit de la justice. La paix, c'est le fruit de la justice. Et c'est pour ça que je suis pour ma part avocat et que je vous parlerai à partir de ma propre expérience. Voyez-vous, depuis mercredi de cette semaine, nous nous sommes réunis dans cette université avec les bureaux de la défense de l'ensemble des juridictions pénales internationales. Et ceci est permis parce que le Liban, à travers son tribunal spécial pour le Liban, a décidé de mettre la défense comme un des piliers de la justice à égalité avec le procureur. Et depuis que j'ai pris la direction de ce bureau de la défense comme organe indépendant, nous organisons tous les ans des rencontres internationales des bureaux de la défense pour faire en sorte que la défense soit toujours plus efficiente, toujours plus éthique, toujours plus responsable, et pour que la défense soit réellement reconnue comme un acteur à part entière de la justice. Et si la défense, si les avocats sont reconnus comme des acteurs de la justice, alors ils seront reconnus comme des acteurs de paix dans la suite de ce que disait Gandhi. Vous savez, j'ai parlé de la Croix-Rouge, le président de la Croix-Rouge internationale dit toujours: la philosophie de la Croix-Rouge internationale, c'est que lorsqu'un ennemi est blessé, ce n'est plus un ennemi, c'est un homme à soigner. Eh bien, je dis que lorsque quelqu'un est arrêté et menotté, est amené devant un tribunal, ce n'est plus un ennemi, c'est un homme à défendre. Et quelle que soit la gravité des accusations qui sont portées contre cette personne, il faudra qu'un avocat se lève, mette sa robe et le défende. Et en faisant son travail correctement, l'avocat sera lui aussi un acteur de la justice et donc un acteur de la paix et donc en effet un acteur de la réconciliation. Nous avons été accueillis dans cette maison par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève, qui est venu nous féliciter d'avoir organisé nos rencontres ici à Genève, et je dis la même chose aux organisateurs de ce forum, parce que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève nous a rappelé la tradition de tolérance de cette ville, initiée notamment par Jean Calvin, la tradition de dialogue de cette ville de Genève. Et grâce à l'Ordre des avocats de Genève, la totalité des participants à ces rencontres internationales a pu visiter jeudi soir la salle de l'Alabama. Je vous le recommande.
la salle dans laquelle a été signée la première convention de Genève, mais aussi la salle dans laquelle a été signé le premier arbitrage international appelé l'arbitrage de l'Alabama entre l'Angleterre et les États-Unis. Comment mettre un terme pacifique à un différend entre nations? Voilà, nous avons été invités à cela à l'occasion de ces rencontres. Permettez-moi de vous dire que nous avons également accueilli dans ces rencontres les bâtonniers de Tripoli, Liban, et de Beyrouth, et que nous avons entendu à cette occasion l'appel du bâtonnier de Beyrouth demandant à ce que le Liban ratifie le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Nous sommes très honorés que le bâtonnier de Beyrouth, dans le cadre de nos rencontres, ait bien voulu lancer cet appel. Alors, permettez-moi juste très rapidement de vous parler de trois expériences que, dans mes qualités d'avocat, j'ai pu mener concernant la paix, la réconciliation par le dialogue. En 1993, vous savez sans doute que le président Dadaïe, nouveau président de la République élu dans ce petit pays du Burundi, a été assassiné, à la suite de quoi le pays a basculé dans des émeutes qui ont failli tourner à la guerre civile. Heureusement, ils ont su s'arrêter à temps, mais la population se trouvait dans un état d'hébétude absolue. Comment avons-nous pu nous entretuer pendant des semaines ? J'ai reçu un émissaire qui est venu me voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons alors créé, avec quelques amis de la société civile, très engagés, et sous la présidence de l'ancien ambassadeur de France, Stéphane Hessel, nous avons dit, nous allons faire une mission de dialogue. Nous allons aller auprès de nos amis burundais, les Hutus comme les Tutsis, pour leur dire, vous avez des amis du monde entier qui sont à côté de vous. Ça n'était rien, c'était seulement une goutte d'eau. Mais avec l'aide du représentant spécial, du secrétaire général, pendant 8 jours, nous avons sillonné les collines, les routes du Burundi, pour aller dire aux Burundais, vous avez des amis. Et nous sommes juste là pour faciliter le dialogue entre vous. Nous avons vécu des moments exceptionnels. Je ne sais pas si ça aura permis d'établir la paix, mais c'était une petite goutte d'eau dont nous avons pensé qu'elle était de notre responsabilité. Une autre occasion m'a été donnée quelques années plus tard de participer à ce que l'on a appelé en France les accords de Matignon entre la Nouvelle-Calédonie et le peuple Kanak, et puis plus tard encore, en 1998, aux accords dits de Nouméa. Alors, je voulais ce matin vous donner un très rapide extrait du préambule des accords de Nouméa qui sont uniques dans l'histoire de mon pays, mais certainement aussi dans beaucoup d'histoires de décolonisation. Il m'a été donné de participer très modestement à ce préambule qui a été notamment rédigé par Alain Krisnach, qui est maintenant le directeur de cabinet de Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice, mais aussi par M. Thierry Lataste, qui est maintenant directeur de cabinet de M. le président de la République française. Écoutez donc ce texte qui figure maintenant, qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Les Kanaks, le peuple d'origine, ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays. Ce qui ne pouvait, chez un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes, aggravant les ressentiments
et des incompréhensions. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple Kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple Kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple Kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Je crois que grâce à des textes comme celui-ci, nous avons évité la guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Un dernier exemple dû à mon travail, certains d'entre vous le savent, avant de venir au tribunal spécial pour le Liban, j'étais l'avocat de Douk, un de ces Khmers rouges poursuivis devant le tribunal pour les Khmers rouges au Cambodge. Douk, qui a été le directeur de la sinistre prison S21 et qui était accusé de 13 270 meurtres. Douk avait décidé de plaider coupable, de reconnaître sa responsabilité. J'ai demandé au juge d'instruction d'organiser une reconstitution, de ramener Douk sur les lieux de ses crimes. Mesdames et messieurs, pour ceux qui doutent encore de la justice pénale internationale, 30 ans après, cette justice a été capable de ramener Douk sur le lieu de ses crimes et a été capable de lui permettre de s'exprimer vis-à-vis des victimes présentes, de quelques rescapés de ce camp de la mort. Douk s'est adressé à eux. Il leur a dit: je vous demande pardon. Je demande pardon à mon peuple. Je sais qu'à vue humaine, ce que j'ai fait n'est pas pardonnable. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de laisser la porte ouverte. Et là, les victimes se sont levées, ont dit au juge: monsieur le juge, je veux dire un mot. Et elles ont dit au juge: messieurs les juges, j'ai entendu les paroles que j'attendais depuis 30 ans. Je suis en paix maintenant. La justice fera ce qu'elle doit faire, mais moi, je suis en paix. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers amis, des petites choses auxquelles, petites ou grandes, à vous juger, auxquelles, dans le cadre de ma profession d'avocat, il m'a été donné de vivre. Alors, pour conclure, je voudrais vous donner encore connaissance d'un texte merveilleux qui guide ma vie. On l'attribue à Goethe, on ne sait pas exactement si c'est bien lui, mais voilà ce que ça dit. Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Cette vérité, c'est que dès le moment où on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions
crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Et il conclut, tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Commence maintenant. Et permettez-moi de conclure avec Gibran Khalil Gibran. Comment veux-tu parler de la justice si tu ne regardes pas toute chose dans la lumière? Merci beaucoup. Shukran, Sayyid Roo. Thank you, Mr. Roo, for quoting the philosopher who is in all our minds, Gibran Khalil Gibran, and we thank you for your valuable experiences and for highlighting the importance of international penal justice, which was talked about in this hall. Apologizing is very important. It is the beginning of justice and the beginning of an effective dialogue. This is what we were reminded of by Mr. Roo. And this is what we have been hearing about for the last 10, 20, or 30 years. We hope to enhance the concept of apology. And I have also talked about the importance of searching for the truth. This is the basis of the success of any dialogue. However, if we carry out a dialogue without thinking about the facts, it will not be a success. I would like to thank the speakers for their valuable interventions. And now we would like to go for the questions. Mr. Jad Khalil, Council Jad Khalil, asks His Excellency Yassin Jaber, is the dialogue between Iran and Russia from one side and the U.S. and Saudi Arabia and another hand will Could you answer the question on preventive diplomacy first, if you may? Preventive diplomacy is a concept that is led by the UN. However, certain endeavors in the field of diplomacy may be adopted by the UN. As I said, the international Iran's nuclear program and the negotiations related to it took many years. This also led to the process, the P5+1 process. It was a type of preventive diplomacy that was gradually adopted by the international community, and it is a tool of preventive diplomacy. I wish to insist on the point that it led to concrete results even before the agreement between the parties concerned, because both parties stopped exacerbating their positions until they reached an agreement. Dr. Jaber,